Alors concrètement, c'est venu d'une difficulté. C'est problèmes de bagarre sur la cour de récréation. Le conflit, le temps passé à gérer toutes ces relations, on va dire un peu négatives. Ouais. On avait déjà mis en place beaucoup de choses, médiation. Les conseils de coopération. Message clair. Mais tout ça, ça intervient une fois que le conflit, en fait, est là. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose en amont pour éviter que les enfants se retrouvent en conflit et qu'ils puissent développer des relations plus sereines et positives. On s'est rendu compte que ces conflits venaient du fait que chaque enfant ne trouvait pas en fait le jeu qui lui correspondait sur la cour. On avait déjà des types de jeux normés, comme le foot, le loup. Voilà, mais on avait d'autres enfants qui finalement n'avaient pas eux besoin de se dépenser sur la cour de récréation, mais avaient plutôt besoin de faire fonctionner leur imaginaire ou besoin de se retrouver dans un petit coin au calme, un petit coin un petit peu comme une alcôve, enfin se retrouver vraiment dans leur petit univers. Et on s'est dit que finalement les conflits émanaient de ça, de ces deux types de jeux qui n'arrivaient pas à cohabiter. Donc, comment est-ce qu'on pouvait nous encourager finalement non pas les jeux assez normés, les laisser, évidemment ils avaient toute leur place, mais encourager les autres. On avait l'impression que la formatrice en fait venait d'un autre monde, qu'elle ne parlait pas le même langage que nous. Finalement, assez rapidement on s'est remis en question, parce qu'on s'est rendu compte qu'on regardait les enfants avec nos yeux d'adultes et qu'on ne se mettait pas finalement à leur hauteur, à la hauteur d'un enfant qui cherche juste à jouer. Nous, là où on voyait du danger, les enfants voyaient un super espace de jeu et au contraire, quelque chose à explorer. Quand on a trouvé le projet, sur le site de l'association qui nous a formés, il y a une vidéo d'une cour de récréation où ils ont installé une boîte à jouer sur un espace bitumé. Et quand je l'ai montré quand on les a montrés à nos équipes, nos enseignants nous disaient « c'est super, mais tu te rends compte mais... ?» C'est dangereux, enfin, comment on va faire? Et puis, tu te rends compte, ils ont plein de matériel et pour ranger. Et il y avait un million de questions. Après, ça amène une surveillance particulière aussi. Et là aussi, c'est une grosse partie de la formation. De toujours être en observation, de toujours se poser la question, là, où est le risque, où est le bénéfice? Et d'intervenir de façon positive quand on voit que le risque est plus haut que le bénéfice, de façon positive pour ne pas casser ce jeu libre de l'enfant, pour l'encourager. Mais qui lui a amené la réflexion, comment tu peux faire pour que ce soit plus sécurisé. En fait, plus tant dans de la surveillance pure, mais plutôt dans de l'accompagnement du jeu. Et le peu de familles qui sont venues nous voir, ils nous ont dit « Ah oui, le pantalon est tout sale, les chaussures sont sales, vous pouvez pas faire quelque chose ?» Et puis, donc là, on leur disait « Bah, il n'y a pas de souci, on va dire à votre enfant de rester sur la cour normale. Non, mettez-le dans le terrain, c'est pas grave. » Sur la cour de nos rêves, on est vraiment sur une cour pratico-idéale. Elle est pratique, elle est idéale pour ce dont ils ont besoin. Avant les vacances d'octobre, j'ai créé un petit sondage que j'ai transmis à toutes les classes travaillant sur le projet, leur posant des questions de base. Bah, cette cour, elle nous sert à quoi et on va chercher quoi? D'aller en récré pour... nous reposer, voir des amis, faire du sport, nous défouler. Et en fonction de ça, ensuite on a choisi un petit peu des critères pour créer nos premiers dessins en fonction de la cour actuelle. De remplir un questionnaire, ça m'a beaucoup aidé à réfléchir sur ce que je voulais plus dans la cour, ce dont on avait besoin, les problèmes de la cour. Et c'était des questions qu'on ne se pose pas forcément. On a déjà commencé à aller prendre les photos des endroits qu'on voulait revisiter. On devait dessiner... chacun sur la zone qu'on avait choisie, donc par exemple Zen Zone, Parcours Santé ou bien la cour. On s'est mis dans la tête des personnes prochaines. Pendant qu'on réalisait le dessin, on cherchait sur Internet des idées et on les transférait sur OneNote, ce qui a permis un échange d'aménagement et de mobilier pour la récréation. Chaque élève a rendu de manière individuelle un dessin avec sa manière à lui de voir le réaménagement. Et de là, en fait, je leur ai demandé ensuite de créer des groupes. Je leur ai dit, choisissez vos collaborateurs. Si vous travaillez sur la Zen Zone, allez chercher des collaborateurs qui ont travaillé sur d'autres points pour que votre maquette soit justement riche. On a essayé de reproduire à l'identique avec des proportions
adaptée. J'avais fait appel à chef de travaux chez nous pour pouvoir travailler les maquettes à l'échelle. Je mettais un plan par groupe de travail. Bah, je trouve que le plus difficile qui a été à faire, c'est de trouver des aménagements spéciaux. Enfin, c'est vraiment renseigné sur beaucoup de sites internet et des choses qui pouvaient être à la fois originales, pratiques. Donc la cour de récréation, ça a été pendant quelques années, c'était quand même source de conflits. Les enfants avaient un terrain de foot. Dès qu'on rentrait en classe, il y avait eu des conflits, en particulier à cause du ballon. Après, on a eu des enseignants qui se sont mis à jouer avec les enfants. Ça a fait un bien fou. Et les élèves qui ont grandi avec ça, aujourd'hui arrivés en CM2, ils sont autonomes et il n'y a plus aucun souci sur la cour au niveau comportement. Ensuite, il y avait aussi à l'époque, il y avait 3 ballons sur la cour. Donc en fait, toutes les zones de la cour étaient occupées par ces ballons. Donc on s'est dit, on va limiter le nombre de ballons sur la cour. Et après, l'idée de créer des zones est apparue naturellement. Donc on s'est dit, il faut une zone effectivement avec un ballon. Il faut une zone où les enfants puissent courir. On sait que là, c'est un endroit où on court. Donc si on se fait renverser, c'est qu'on n'était pas forcément dans sa bonne zone. Et puis, des zones calmes où les enfants peuvent prendre leur goûter, jouer, dessiner. Et alors, sous le préau, on a dit que c'était des zones calmes. Donc, si on voit des enfants courir dans cette zone, c'est pas acceptable. Ça, sous le préau, on a récupéré des tables. Et on devait les monter à l'étage. On a vu qu'ils avaient besoin d'un petit coin pour pouvoir se poser aussi. Et du coup, on a rajouté des tables. Donc là, on veut vraiment développer cette cour de récréation comme un lieu de vie, un lieu d'interaction, un lieu d'imagination pour les enfants, avec le matériel le plus possible pas fixe pour que les enfants puissent déplacer. L'idée, c'était d'avoir une petite zone pour discuter, pour se sentir abrité. Voilà. Donc les enfants, ils viennent volontiers se mettre sous ce banc au moment du goûter ou à la garderie le soir. Au départ, on voulait quelque chose effectivement de fixe, de scellé autour des arbres. Et en mettant ces bancs ici, on s'est aperçu que ça donnait l'occasion de modifier la cour. L'idée, c'est aussi que la cour change au fil des saisons, des périodes, pour surprendre un peu les enfants, puis qu'ils imaginent d'autres zones de jeu. Quand les feuilles tombent, c'est juste du bonheur. On met tous les petits balais, les petits râteaux, les bacs. On emmène au bac à compost qui est à l'extérieur de l'école. On n'a pas besoin de faire venir du personnel. Les enfants ramassent les feuilles, parce qu'ils font les tas. Puis après, ils adorent détruire les tas. Donc ça, c'est le cabanon de la cour de récréation. On n'a pas encore utilisé ça. Ça, c'est ramené de la maison. Tout un bac de vieille vaisselle, mais c'est. On met des feuilles, on met dedans, de l'eau, de la terre. Et il n'en faut pas plus pour être heureux. Donc ces petits bacs, ils étaient mis ici pour faire des plantations. Et puis ça a tardé un petit peu et on s'est aperçu que les enfants se cachaient volontiers dedans. Donc c'est des petits bacs à cachette. Et ça, c'est des petits bacs qu'on peut aussi déplacer. Donc je crois qu'ils vont rester en bac à cachette en fait. Avec toujours l'idée de choses qui peuvent se déplacer, pas des choses fixes. Donc on a plusieurs petits coins qu'on surveille. Alors il y en a un qu'on a carrément aménagé, donc celui qui est à l'entrée du bureau. Quand je vais parler avec mes amis, je vais plutôt vers le bureau parce que c'est plus calme et on est tranquille. C'est pas forcément être en secret, c'est juste être dans notre petit coin à nous en fait. Je veux dire que quand je suis énervée, je vais plus dans un coin où je peux être tout seul, je me calme un peu comme ça, après je peux revenir avec mes copains. En faisant toutes ces petites choses petit à petit, on arrive à notre finalité du projet qui est de donner plaisir de venir à l'école. Le projet Filles, garçons, stop aux préjugés. Au départ, c'est vraiment par rapport à la question d'égalité des droits entre les filles et les garçons, et notamment du droit à occuper l'espace et du droit de circulation dans l'espace. En faisant des recherches, j'étais tombée donc sur cette séance qui porte sur la cour de récréation et l'occupation de la cour, qui m'avait paru intéressante et que j'avais souhaité mener avec des sixièmes. Et même si nous sommes au tout début de l'année, il me semble que c'est assez intéressant de voir en un mois ce qu'ils ont compris de l'occupation de la cour. Et donc l'idée, c'est de pouvoir prendre ce temps d'observation, de réflexion, et voir ce qui émerge chez eux. Dans un premier temps, je vais leur demander de dessiner la cour de récréation sur une feuille blanche de façon individuelle, ensuite de se placer sur le plan, et puis de placer en fonction du sexe les personnes qui sont autour d'eux. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, je leur demande sur le plan de placer d'autres élèves, comme si
dans le cadre de la cour de récréation habituelle, dans ces espaces qu'ils ont dessinés. Pareil, en fonction du, avec un petit code F pour filles et G pour garçons. Et puis, on a un temps d'observation du plan et de partage et d'échange autour de ce que chacun a dessiné. Dans un deuxième temps, je leur demande également de flécher, de symboliser leur déplacement sur le plan, de façon à savoir si leurs déplacements sont libres ou s'ils répondent à des règles qui sont des règles tacites, en fait. Hein. Il y a plus de garçons qui jouent au foot que de filles. L'exercice, il vient pointer des faits. Il vient faire émerger ces faits-là. Et l'atelier permet de prendre le temps de regarder. Et à ce moment-là, peut émerger déjà une discussion. L'atelier, il sert vraiment de prise de conscience et de démarrage. On projette l'intervention à la petite explication, le petit décryptage de Edith Maruet-Joule, qui est la géographe donc de la ville, qui s'est intéressée à la ville, mais aussi à l'occupation des espaces, et notamment de l'espace court.